Alors, vous êtes très nombreux à Bordeaux, je le disais à l'instant. J'ai le plaisir de lancer cette soirée avec Loïc Prudhomme, que vous connaissez tous et tous. J'ai le grand plaisir de présenter aussi ce meeting, de le lancer avec Clémence Guetté, coordinatrice du programme, que vous connaissez bien évidemment aussi. Alors, c'est évidemment un grand plaisir de vous retrouver à Bordeaux, j'espère que pour vous aussi. C'est bien difficile de saluer tous les gens qui sont là, néanmoins, je ne peux pas faire l'impasse dans la situation actuelle et dans l'actualité sur saluer une délégation de soignants et de soignantes du CHU de Bordeaux qui ont fait le déplacement. Et vraiment, vous pouvez les avoir saluer. Alors merci pour cette belle énergie. J'imagine, vous êtes heureux et heureuse d'accueillir ce soir à Bordeaux. Et donc évidemment, j'appelle Jean-Luc Mélenchon. Merci à tous ceux qui ont bien voulu signaler qu'ils seraient là, parce que ça nous a permis de constater que la salle serait trop petite et d'organiser ça dehors. Alors vous pourrez suivre hein, sur les réseaux sociaux le long du discours. J'ai choisi de commencer par vous dire quelques mots, d'abord de gratitude, parce que comme vous le savez, je ne sais pas ce quel effet ça vous fait à vous, mais moi ça me recharge la batterie hein, de vous voir. Je vais vous dire que... N'écrivez pas mon nom, j'ai horreur de ça. Et vous savez, j'ai mauvais caractère, on vous l'a assez dit. Hein. Bon, alors, non, il faut crier des choses nobles et dignes. Résistance, ou on va gagner, ça va changer. Macron, il y en a marre, ou ce que vous voulez. Mais des slogans politiques qui montrent et qui donnent du courage. Parce que, voyez-vous, le fait que vous ayez eu ce réflexe de vous dire, bon, on reste quand même groupé. Dehors montre la connivence politique qui existe entre nous. C'est que vous avez parfaitement compris que nous sommes en train de faire une démonstration de force. Et chaque fois que nous faisons une démonstration de force, ce n'est pas pour contenter notre orgueil ou notre amour propre, mais c'est pour donner de la force et de l'énergie à tous ceux qui doutent, à tous ceux qui ne savent pas, à ceux qui ont du mal à se décider. Et nous leur disons, venez, rejoignez nos files, faites l'effort avec nous parce que nous pouvons tout changer et c'est dans 70 jours et pas davantage que l'échéance se présente. Par conséquent, ça vaut la peine de se mobiliser, ça vaut la peine de se regrouper. Et disons-nous les choses comme elles doivent être dites. Vous savez, il a été impossible de réaliser une union au sommet. Et au demeurant, beaucoup d'entre nous n'en voulaient pas. Pour la raison qu'ils ont senti que tant de fois trompés, tant de fois roulés dans la farine par des accords qui ensuite se traduisaient par des petits arrangements. Beaucoup disaient de tout ça, nous ne voulons plus entendre parler. On a fait quelques tentatives pour essayer de voir si on pouvait surmonter cette situation. Mais très vite, il est apparu que plus important que des accords éventuels au sommet, ce qui comptait, c'était qu'on s'entende sur le terrain et à la base. Et on ne peut le faire, on ne peut le faire. On ne peut le faire que dans la clarté, dans l'honnêteté, et non pas dans la conduite, dans les arrangements, dans la réduction du mot d'ordre. Nous pouvons être forts parce que nous sommes clairs sur les objectifs, et par conséquent, je m'attends et je constate que c'est bien normal qu'il y ait une résistance en face de ce que nous entreprenons ensemble. Et vous n'avez pas à vous en désoler. C'est tout simplement un signal que nous sommes sur le bon chemin. Il faut bien dire que ceux qui s'opposent à nous ont des raisons de le faire, parce que réellement, aujourd'hui,
à mon âge et au vôtre, on ne fait pas carrière. On est en train de préparer quelque chose de plus vaste, qui s'appelle l'histoire, qui s'appelle changer cette patrie que nous avons en commun, et à partir de là, envoyer un message au reste du monde. Oui, c'est possible. Oui, on peut tout changer, parce que oui, il faut tout changer.